C'est vrai que nous, Jos Meyer, c'est vraiment d'abord de respecter le style de mon père. Mon père aimait les vins très droits, très précis, très purs. Il aimait les vins de gastronomie. Lui-même avait créé cette phrase qui nous correspond bien, faire des vins d'une profonde légèreté ou d'une légèreté profonde qui correspond bien à ce qu'on aime faire, des vins digestes. Des vins faciles à boire, mais qui ont cette profondeur, qui ont de la matière, qui sont vivants, et qui donnent, qui sont des grands vins et qui procurent beaucoup de plaisir. Bah non, non, moi je pense que les vins, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détournés des vins d'Alsace parce qu'ils s'y retrouvaient pas, parce qu'il y avait beaucoup de. Il y avait un manque d'explication, ils se retrouvaient avec des Riesling, avec un peu de sucre, des Pinot Gris avec du sucre. Et je pense que justement de faire des vins secs, les gens s'y retrouvent mieux. Après, ça dépend des terroirs, ça dépend des millésimes, mais je pense qu'au contraire, c'est le sucre résiduel qui a détourné les gens de l'Alsace. Donc je pense que non, de faire des vins secs, justement, c'est. Je ne vais pas dire que c'est le salut, parce que faut aussi que le vin soit le reflet de la personnalité d'un vigneron. Que ce soit son goût, donc si un vigneron va préférer faire un vin avec un petit peu plus de richesse, c'est son droit, mais je pense que non, nous, notre salut chez Jos Meyer, c'est les vins secs.